You need to get out of here. You need to get up. Get up and go. Go out and go. Out and go. Out and go. Oh, 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 oh. Just another story. Thousands I've written about buildings and trees around here. You walking down and the sun is out and people and bone, dolls and signposts and police cars. You need to go out and just go out. You need to go out of here. Oh, 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 bonjour à tous et à toutes, il est midi une sur les bonnes ondes du 106,6 sur Campus, Radio Campus. Et vous êtes aujourd'hui au jour du i, du point sur les i point bar, avec le collectif Davids qui, comme tous les lundis, de midi à 13h, met les points sur les i. Point bar. Point bar, voilà. Alors aujourd'hui avec nous, Benjamin. Bonjour. Christophe. Bonjour. Baptiste. Bonjour. Simon. Bonjour. Et point bar, c'est pas une fermeture de discussion. Non, c'est une petite provocation métaphorique positive, pour reprendre les voilà. termes de Christophe. P-O-I-N-G, bar, point bar. Bar, voilà. Et alors aujourd'hui, donc, Baptiste nous parlera du faux castor et nous fera un petit agenda nucléaire, ainsi que quelques bons plans piochés à droite à gauche sur le net. Benjamin, quant à lui, nous lira sa lettre ouverte sur la situation internationale et le message stigmatisant des médias. Toto Écolo featuring Fontaine et Belkacem, j'ai dit Brigitte et Areski, donc nous parlera de la situation écologique. Non, j'essaierai de dire que tout c'est normal, voilà, c'est une nouvelle aventure stylistique. J'ai réfléchi, il faut un peu de recul puisque ça fait un an que nous avons la possibilité de parler et d'essayer de nous exprimer. D'essayer d'apporter des nouvelles qui nous semblent avoir du sens pour nos camarades terriens. Et donc, j'ai un peu réfléchi, j'ai écouté autour de moi, et donc je me lance sous l'aile protectrice et le clin d'œil avec un côté dire des choses avec le derrière, c'est normal, voilà, c'est nouveau. C'est normal. C'est normal, voilà. La, 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 voilà, la, c'est normal. Et puis de mon côté, eh bien, un petit point sur art, liénation et émancipation. Deux visions de l'art qui, semble-t-il, sont plus que contradictoires, conflictuelles. Voilà. Et alors, juste pour introduire, nous allons avoir Léo Ferré vise la réclame, parce que... Vise la réclame. C'est vise la réclame, si je dis pas de bêtises. Vise. Vise la réclame. D'accord. Okay. Vise la réclame. Attends, donc prends ton fusil mitrailleur et puis vise la réclame. Okay. On aura envie de dire ça. Et simplement parce que une magnifique petite publicité piochée sur BFM qui m'a donné envie de vous donner cette musique. Parce que, je cite, espace de travail ultra flexible et économique. Et de quoi parlait-on dans cette jolie publicité de mobilier de bureau? Et ce que j'ai trouvé très amusant, c'est qu'on emploie exactement le même vocabulaire pour qualifier les salariés des entreprises. Et donc, le mobilier de bureau, est-ce que les salariés sont le mobilier, les salariés? On ne sait plus très très bien dans toute cette histoire. Il y en a un autre qui employait le terme mobilier aussi. Oui, un certain monsieur Dominique à propos des femmes de chambre, n'est-ce pas? Ouais, donc voilà, maintenant c'est dans la publicité.
publicité. C'est pas les femmes de chambre, non, non, le matériel. C'était les femmes tout court. C'était les femmes du Carlton. Ouais. Les femmes tout court, c'est vrai, ouais. Le mobilier. C'est aussi ce qu'on voit dans Soleil Vert, d'ailleurs. Soleil Vert, oui. Le mobilier. Est-ce que vous prenez l'appartement avec le mobilier? C'est la fille qui dit voilà. Ça. Et donc, en entendant cette pub sur espace de travail ultra flexible et économique, je me suis demandé, bah, on parle du mobilier ou on parle des gens? Peut-être des deux, en fait, tout simplement. Allez, Léo Ferré vise la réclame. Mon tétotoratatou, c'est pour 100 sous mon toutou, vise la réclame. Mon savon, ça fait des ronds, ça blanchit même le charbon, vise la réclame. Arrête-toi passant, accroche bien tes voyants, c'est une affaire. Les murs s'ajactent bien et sont remplis pour le bien publicitaire. Si tu n'as pas un rond à capasser, passeront d'autres volailles. Qui passeront par-ci et puis par-là, monsieur, dame, merci, faut qu'on travaille. Ben de v'là, v'là les murs qui bavardent, vise la réclame, vise la réclame. Qui lui, comme la vérité, ma pin-up, faut pas te gêner, son corps est polycopié, vise la réclame. Elle a des bas remaillés par les yeux à tricoter, vise la réclame. Arrête-toi client, accroche bien tes voyants à son corsage. Les murs ça fait bouger, mais comme l'amour m'est figé, type de ramage. Si tu n'as pas un rond, tu peux rêver, y'a pas de raison qu'on t'en tienne compte. Mais si tu veux l'avoir dans un cinoche en blanc et noir, faut faire tes comptes. Ben de v'là, sur les murs, v'là la compte. Vise la réclame, vise la réclame. Dis-lui ces quatre vérités. Les oiseaux, c'est rigolo, ça vise les murs par en haut, sur la réclame. Ils ont des pattes et pourtant ils traînent jamais comme les gens sous la réclame. Arrête-toi passant, accroche bien tes croyants à leur musique. Les murs ça peut briller mais faut le client pour donner dans la mimique. Et tu n'es pas un rond, bien que t'en aies les murs au fond c'est pas bégueule. Tout rempli de leurs zinzins, t'as qu'à passer sans y faire gaffe en levant la gueule. Et voilà, tous les murs qui s'engueulent et qui te réclament, et qui te réclament, tout nu comme la vérité. Voilà, c'était Vise la réclame de Léo Ferré. Donc maintenant, ouais, la parole à Bibi. Moi, j'ai reçu, on a reçu une drôle de réclame dans notre boîte aux lettres. Malgré le fait qu'on mette pas de pub, s'il vous plaît, tout ça, machin, il faut insister hein, parce qu'il y en a qui le font quand même. Enfin bref, là c'était un format A4, titré en grand, important, transport de matières dangereuses. Information sur les prochains transports de déchets et combustibles nucléaires à conserver. C'est signé Autorité de Sûreté Nucléaire, Areva, la préfecture de Cherbourg et la SNCF. Et il nous explique que vous habitez à moins de 5 km d'une gare de passage régulière, vous êtes donc concerné. Concerné par quoi ? Alors, nous vous informons par la présente lettre du passage d'un transport de déchets nucléaires par voie de chemin de fer. Ce transport aura lieu le 5 octobre 2012, entre 12h15 et 12h45, sur la ligne ferroviaire numéro 1312 NP, et passera par la gare de votre ville, etc., etc. Ce transport est régulier, encadré, représente a priori aucun danger. Dorénavant, vous serez informé de chacun des transports de type Castor qui auront lieu dans votre région. En cas d'incident, lors du transport, vous devez suivre les quelques directives ci-contre. Donc voilà, entrez dans le bâtiment le plus proche, calfeutrez les portes et les fenêtres avec du linge mouillé, laissez vos enfants à l'école, écoutez la radio, voilà, ne prenez pas votre véhicule, et ne téléphonez pas, la fin de l'alerte sera donnée par la sirène. Eh ben, j'y ai cru.
J'y ai cru, j'ai informé les gens, j'étais étonné, je me dis ah en plus ils sont malins, ils nous prennent la veille pour le lendemain, comme ça on n'a pas le temps de s'organiser et de faire quelque chose. Et voilà, je commence à préparer des trucs, et puis le lendemain je me dis je vais quand même téléphoner au réseau sortir du nucléaire pour savoir s'ils sont au courant, s'il y a déjà une action de prévue, en plus la ligne de chemin de fer je sais pas précisément c'est laquelle, j'ai beau chercher je trouve pas. Et là on me dit ah non. Eh ben ça c'est un faux en fait, on a déjà il y a déjà eu le coup à Limoges, on ne sait pas qui fait ce genre de tract. Dans tous les cas non, vous serez jamais informé en cas de passage du train Castor, donc c'est pas possible, ça vient en tout cas ça vient pas du réseau sortir du nucléaire, Greenpeace n'était pas au courant non plus. Et donc voilà, j'ai trouvé ça très 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 habile de leur part. Étant donné que c'était peut-être vrai, en plus, étant donné qu'on ne sait jamais quand passera le train Castor chargé de déchets nucléaires, et ben tout simplement, le fait de poster ce genre de tract de temps en temps dans les boîtes aux lettres permet, avec du recul, aux gens de se rendre compte que... Donc s'ils y croient, bon bah ils peuvent faire quelque chose. Et si s'ils n'y croient pas, ça permet au moins de se rendre compte que dans tous les cas, les trains Castor et ces convois de matières hyper dangereuses ne sont jamais signalés aux citoyens lambda que je suis. D'ailleurs, à ce sujet, ça me permet de faire un point agenda au niveau du nucléaire. Il y a beaucoup de choses, en fait, cette semaine, et j'ai fait une sélection spéciale nucléaire, justement, par rapport à ce faux train Castor, ou alors peut-être vrai, qui sait. Notamment, en fait, ce soir, 20h, au Café L'Imaginaire, donc c'est 5 places Louise de Bettigny, dans le Vieux-Lille, à côté du tribunal, le Café L'Imaginaire, à 20h, ce soir, c'est le Café Repère des Amis de Là-bas si j'y suis, donc l'excellente émission de Daniel Mermet sur France Inter, toujours réécoutable, facilement trouvable en ligne, hein, Là-bas si j'y suis. Et ce soir, ça traite justement des risques, déchets, électricité dans le monde nucléaire. Voilà, 20h, Café L'Imaginaire. Deuxième point agenda, mercredi 10, et là c'est à l'Insoumise, si vous ne connaissez pas encore ce lieu, allez-y. Pour l'instant c'est ouvert seulement le samedi, enfin l'accueil en tout cas pour la bibliothèque, c'est une librairie occupée au 10 rue d'Arras, près du parc Jean-Baptiste Lebas. Et là en fait il y a une projection dans ce lieu, le mercredi 10 à 20h, projection débat du film Into Eternity. Et le film Into Eternity, j'ai regardé seulement la bande-annonce, je le découvrirai ce mercredi. C'est sur l'enfouissement des déchets radioactifs, sur la folie humaine que de dire que ces déchets-là, en fait, il faut savoir qu'ils mettront 100 000 ans à totalement disparaître, et encore, hein, d'après les calculs actuels, hein, 100 000 ans. Donc voilà, c'est même plus une échelle humaine. Il n'y a aucune structure qui a été conçue, pensée, réalisée par l'homme qui est capable de tenir ce temps-là. Voilà, c'est techniquement, physiquement impossible. Et donc, bah, pour l'instant, en tout cas, tous les déchets nucléaires produits jour après jour, tonne après tonne, qui passent par des trains Castor dont on n'est pas au courant, sont enfouis quelque part pour une durée de 100 000 ans, tout simplement. Ça, c'est mercredi 10, la projection de débat du film Into Eternity à l'Insoumise, 10 rue d'Arras. Et le troisième point, agenda nucléaire. C'est le rassemblement anti-nucléaire, principalement à l'appel du réseau Sortir du Nucléaire, pour des revendications sur lesquelles je les trouve un peu faiblardes, leurs revendications, qui est de fermer les centrales de plus de 30 ans. Non, je pense que faut aller beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est 15h samedi sur la place de la République. Voilà, et puis pour toutes les autres infos que j'ai pas pu donner, parce que bah mine de rien, des agendas il y en a, et heureusement ça se bouge partout, il y en a pour tous les goûts, et ça se trouve sur lille.demosphère.eu, c'est sur internet, lille.demosphère.eu, voilà. Pour l'agenda militant sur Lille et ses environs. C'est ça. Vous pouvez poster facilement vos propres trucs, laisser des commentaires. C'est assez bien organisé, assez bien fait. Et bah voilà, franchement, tous les jours, il y a des Davids contre Goliath qui essaient de faire quelque chose et qui le font. C'est pas qu'ils essaient. Voilà. Voilà, concrètement, ils occupent ouais. des espaces, voilà. des lieux et des temps. Ouais. Voilà. Les habitants. Ça, ouais. Bon, eh bien, pour introduire, bien que le lien ne soit pas tout à fait direct, mais il est là, pour introduire la lettre ouverte que nous lira Benjamin, eh bien, Marianne de Saez. On peut toujours trouver un rapport. Écoutez bien.
Alexis, au vent des rois, des drogues et puis des rêves en bois. Ton cœur a bouffé pour les chiens, tu dis merci, je dis de rien. Perdu dans le coffre aux jouets, je crois qu'on a perdu la clé. Marianne, arrête un peu les joints de ta jeunesse, beaucoup de rien. Marianne, ton cœur a l'odeur du fumier, sur la paille toi tu m'as laissé. Marianne, un jour faudra régler les comptes de nos vanités. Des libertés qui mènent à quoi? Tu viens faire un tour dans les bois, au corps des bouteilles à la mer, des cendres à jeter pour le terre. Voilà, c'était Damien Saez qui nous interprétait Marianne en introduction spéciale pour Benjamin. Voilà, et vous aurez compris évidemment qu'il s'agit de Marianne, la fameuse allégorie de la République. Donc, moi j'ai écrit une lettre ouverte. Alors l'autre fois, dans cette même émission, je vous parlais des étrangers. Donc en déconstruisant ce terme, je clamais haut et fort que nous sommes tous des étrangers. Et de fait, cette semaine, je constate que les médias traditionnels devraient en prendre de la graine. Parce que ces contrôleurs de masse manient l'amalgame avec une lourdeur effarante.
Musulmans, islamistes, arabes, antisémites, nazis, tout y passe. Il suffit qu'un taré commette un crime pour que l'ensemble d'une communauté, au contour totalement indéfini, soit stigmatisé. Alors, il faut combattre le terrorisme sans amalgame, c'est ce que dit notre président. Bien, arrêtez les meurtriers, moi cela me va. Et pour cela, d'ailleurs, il va tout de suite renforcer la sécurité autour des lieux de culte israélites, je cite. Mais ce n'est pas là l'amalgame, justement, à ne pas commettre. Non, monsieur le président protège la République, pas une communauté victime face à une autre qui serait méchante, violente et attardée. Alors, d'ailleurs, le rabbin de la synagogue qui a été attaqué avant-hier est d'accord avec cela, il a clamé sur BFM TV que, je cite, « s'attaquer à une synagogue, c'était s'attaquer à la République ». Alors moi qui m'attendais à un message religieux, enfin, je sais pas, moi, il aurait pu dire « s'attaquer à une synagogue, c'est s'attaquer à Dieu ». Ça aurait été plus logique que s'attaquer à la République. Mais non, c'était la République qui était visée dans cette attaque. Allez, messieurs les journalistes, enfonçons-nous dans l'amalgame. L'islam est anti-républicain. Regardez, après tout, c'est comme dans le monde arabe. Ils choisissent des tyrans au nom de l'islam. Et les islamistes sont plus tyranniques encore. C'est bien l'aboutissement des révolutions arabes. Mais le peuple crie encore victoire. Eh bien non, messieurs les journalistes, ces peuples ne crient pas victoire. Les peuples n'ont pas été menés par leur foi dans ces révolutions, mais par leurs conditions sociales. Mettons les points sur les i. En Tunisie, le mouvement révolutionnaire est parti de grèves ouvrières généralisées alors que la crise économique mondiale touche le pays de plein fouet. Alors, des mouvements féministes se sont fait entendre, les ouvriers, les mineurs, les fonctionnaires ont manifesté. En plus de faire tomber le roi, ils ont réclamé la démocratie, le partage plus équitable des richesses, la liberté, de meilleures conditions de vie, etc. Il n'y avait pas de roi en Tunisie, hein, j'écoute. Oui, le roi, c'est une expression. C'est symbolique. Ah, là, d'accord, ok. Non, parce que là, je me suis dit, d'un seul con, c'est déplacé au Maroc. Et je me suis dit, oh là là, il s'y connaît, Benjamin. Le prince. Voilà, mais les rois, pour moi, sont tous les tyrans, qu'ils soient roi, président ou autre. Et donc, c'est pareil aussi dans tout le monde arabe, hein, dans toutes ces révolutions qu'il y a eu, et également, en fait, dans le monde entier. Alors que ce soit les étudiants du Québec, les travailleurs du Chili, les mineurs des Asturies en Espagne qui sont en grève générale depuis plusieurs mois, les ouvriers de l'euro qui n'ont toujours pas été payés d'ailleurs pour l'euro du football, ceux qui ont construit les stades, etc., en Pologne et en Ukraine qui manifestent dans des manifestations communes à ces deux pays, les ouvriers et ouvrières, puisqu'il y a de grands mouvements féministes là-bas en Indonésie, les mineurs d'anglo-américaines en Afrique du Sud, hein, on avait entendu la tragédie de répression, les indignés en Europe, aux États-Unis, les mouvements Occupy, etc., en Grèce, ou même les employés chinois qui fabriquent l'iPhone 5, dont j'ai oublié le nom de l'entreprise en tant que telle, mais on avait entendu récemment, enfin sur Arte, puisque les autres chaînes n'en ont pas beaucoup parlé, qui s'étaient rebellés carrément, il y avait une émeute fortement réprimée à cause de leurs conditions de travail. Et rappelons aussi... C'est pas Apple. C'est un sous-traitant. Voilà, c'est un sous-traitant qui fabrique l'iPhone 5 en tant que, enfin, l'objet. D'accord. Et c'était dans ces usines-là aussi qu'ils avaient mis des filets dans les immeubles pour empêcher les gens de sauter du haut des usines. Non, pas pour les empêcher, pour surtout qu'il n'y ait pas de mort au cas où ils sautent. Voilà. Voilà, parce qu'il y avait plus une vague de suicides et que quand maintenant les nouveaux embauchés doivent signer une clause, une promesse de non-suicide. Voilà. Des entreprises qui ont été beaucoup, on les a beaucoup accusés d'esclavagisme carrément, alors que. Bon. Et donc tous ces gens que j'ai cités et d'autres encore, tous sont en grève et se battent pour des raisons économiques et sociales et pas pour des raisons de foi, pas pour on ne sait quelle raison religieuse, car l'austérité, c'est ce contre quoi ils se battent, est la même partout. Puisque, rappelons-le, la crise du capitalisme est également la même partout, au nord comme au sud, dans les pays riches comme dans les pays pauvres, puisque ce système s'est généralisé et mondialisé. Et à plusieurs degrés d'intensité et d'avancement, l'austérité et la précarité sont un processus identique partout au monde. Prenons l'exemple de la Syrie, duquel je voulais parler à la base avant d'être choqué par les messages des médias. Donc en Syrie, alors que les médias nous servent une guerre de religion, hein, il y aurait un conflit entre chiites, sunnites et chrétiens, c'est en réalité un processus révolutionnaire initié par une grève générale. Il y a 2 ans, tenu suite à des mesures d'austérité drastiques
qui ont été imposées par le gouvernement. Et donc l'armée syrienne libre dont on entend tant parler n'est pas une armée religieuse dont on sait quel groupe ou quelle foi. Elle est composée de différents groupes. Alors il y a des groupes religieux parmi elles, mais autant des groupes chiites que sunnites que chrétiens, etc. Mais il y a de plus en plus de groupes de gauche qui se revendiquent du marxisme ou du socialisme en général. Et voilà, donc un peu la situation en Syrie est plus une situation de lutte économique et sociale, de lutte révolutionnaire au sens premier du terme, enfin au sens où on l'entend, et pas au sens d'une nouvelle révolution qui serait une vague de révolution religieuse dans l'ensemble du monde arabe. Et donc aujourd'hui, des centaines de grèves éclatent partout dans le monde. Aujourd'hui, et je parle d'aujourd'hui même, c'est-à-dire ce lundi, il y en a des grèves donc en Grèce, en Espagne, au Chili, aux États-Unis, en Italie, en Russie, en Irak, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, en Tunisie, et sûrement ailleurs, j'ai pas toutes les sources. Mais tout ça, vous ne le savez pas. Pourquoi ? Parce que les médias n'en parlent pas. Ils préfèrent créer un ennemi, un bouc émissaire. Au lieu de parler de l'émancipation des peuples, je ne sais pas, de la lutte contre l'oppression sociale, ils préfèrent stigmatiser une communauté, créer des amalgames. Monter une partie du peuple contre l'autre, diviser pour mieux régner, en somme. C'est un peu tête ronde et tête pointue, comme nous disait Bertolt Brecht. Il est, je pense, urgent de refuser ce racisme, d'affirmer que les médias en sont porteurs, et d'informer réellement sur ce qui se passe, sur la nature de cette crise, sur la résistance locale comme internationale, et enfin, chacun à notre échelle, à notre manière, nous organiser collectivement, en solidarité, résister à la fois à cette crise, mais aussi à cette propagande que les grands médias font et qui est, moi je la prends comme répugnante et insultante envers les personnes stigmatisées, mais aussi envers l'ensemble de la population qui les entend et les refuse. Voilà. Pourtant, en venant à Radio Campus, on en croise partout, hein, des salafistes, des intégristes. Y a que ça. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, vous qui nous écoutez, mais ils disent la vérité, hein, sur BFM et tout. Je suis désolé, il y en a partout. Ça devient vraiment invivable en France. Vivement la guerre avec l'Iran. Hein. Ouais. Eh bien, ça fera une bonne jointure entre ce que vient de nous dire Benjamin et ce que nous dira ensuite Christophe. Il s'agit tout simplement de C'est normal. C'est normal de Brigitte Fontaine, arrangements musicaux de Areski. Si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Dis donc. La 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 quoi? Tu sens pas le brûler? Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion. La quoi? L'agitation moléculaire. Ah ouais. Provoque une élévation thermique, ouais, suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tu comprends? La 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 la. Mais la, alors... la 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 la. Qu'est-ce que tu voulais? La 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 la. Moi, je voulais savoir. Tout l'immeuble il est en train de brûler, c'est bien ça? Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, un c'est incendie. Normal. Ouais. Ouais. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu? Essaie de comprendre, c'est très simple. Oui. Tu te souviens la combustion? Ouais. La destruction de l'immeuble par les flammes? Oui. Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Ouais. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. La 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 la. C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La... D'accord. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Quoi? Quoi? Pardon, mais je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute. Brigitte? Tu es fatigante. Pardon. Non. On est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends? Toujours sur Radio Campus 106.6, le collectif Davids qui met les points sur les i. Point barre. Podcast téléchargeable comme tous les autres programmes de Radio Campus sur le www.campuslille.com. Pendant 8 semaines. Voilà. Voilà. Maintenant. Christophe, c'est normal. J'ai trouvé plein de news qui me donnent envie de chantonner. C'est normal. Alors je vais me le lancer. D'abord, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, à travers une communication de son directeur, et je trouve ça tout à fait normal, nous explique que il y a des informations dérangeantes qui vont avoir une portée considérable sur nos usages de l'eau. De quoi il s'agit? Ben, c'est normal. Il y a le réchauffement climatique. Bah oui, bon, ça, et alors, quoi, voilà. Mais on a aussi un chapelet, si je puis dire, de centrales nucléaires le long du Rhône. Et il faut savoir que la présence de ces centrales augmente la température de 1,5 à 3 degrés. La conjonction, si je puis dire, du réchauffement climatique qui est donc déjà opératoire et de la présence de ces centrales nucléaires modifie donc de manière drastique et irréversible l'écosystème. Et forcément maintenant nous commençons non pas à anticiper des conséquences lamentables sur l'environnement, non là on est en face. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, d'abord la neige dans les années à venir, et ça a commencé, tombe en couches moins épaisses dans le massif des Alpes, fond beaucoup plus vite, et donc en quelque sorte le Rhône va subir des crues beaucoup plus importantes en hiver. Mais en même temps il y aura moins de précipitations le reste de l'année, donc ce sera des périodes de sécheresse. Donc on va osciller entre, si je puis dire, une situation assez paroxystique, à la fois des crues de plus en plus sévères, voilà, en hiver, et en même temps une explosion des périodes de sécheresse. Alors vous imaginez toutes les conséquences. Il y a évidemment des répercussions pour les nappes phréatiques, il y a des répercussions jusqu'en Camargue. Pourquoi? Parce que c'est le delta du Rhône, et ce qui fait que l'augmentation de la sécheresse augmente l'érosion et provoque un assèchement des zones humides, ce qui fait que l'année dernière, en Camargue, le sel est remonté jusqu'à Arles et les rizières ont été grillées. Et le directeur Martin Guespero de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, pour être précis pour mes sources, eh bien pense qu'il y a un nouveau concept qu'il va falloir que nous compreniez en France. C'est le concept du partage de l'eau.
voilà, qui est une idée neuve. Pourquoi ? Bah, il va y avoir un conflit entre les usagers. C'est-à-dire que, à la fois, l'eau nécessaire à l'alimentation humaine, l'eau nécessaire à l'industrie, l'eau nécessaire à l'alimentation du bétail, ça fait beaucoup de, si je puis dire, de secteurs qui consomment beaucoup et de plus en plus. Mais en même temps, là, on a un petit problème qui est que le Rhône a une température qui est en train d'augmenter, c'est-à-dire 27 degrés, par exemple, lors de 2003, c'était la période de sécheresse, on en avait atteint 28 degrés. Alors là, les centrales nucléaires, une partie s'était forcée à interrompre leur diffusion, puisqu'il y avait trop d'augmentation de la température. Donc simplement, nous sommes en train d'avoir, du côté du Rhône, une situation qui a commencé, hein, je ne parle pas de 2030, 2040, 2050, mais qui est en train de poser un problème assez impressionnant, et dont évidemment c'est normal. On n'a pas beaucoup entendu parler. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends ? Ouais, ouais. Et en même temps, ça fait de l'eau chaude dans la Méditerranée pour les vacanciers, non ? Oui. Voilà. Alors, c'est normal. J'avais trouvé aussi, ce qui est tout à fait normal aussi, une autre nouvelle, qui est que la revue Océan et Coastal Management, c'est-à-dire bon, une revue scientifique, correcte, je ne l'ai pas prononcée à l'anglaise, mais enfin, s'appuyant sur des travaux de l'université de Saint-Jacques de Compostelle, vient de dire ceci. C'est que pour l'Europe, hein, vous voyez, moi, cette semaine, je suis resté très français, européen, très local, hein, pour parce que bon, on peut pas toujours parler de la barrière de corail de l'Australie, à l'ennemi, tout le monde s'en fout. Tandis que là, le Rhône, là, vous avez entendu, c'est le Rhône, hein, c'est en France. Alors là, c'est pour l'Europe, la surpêche. Bah, c'est pas très compliqué. Il y a des quotas scientifiques, c'est-à-dire les scientifiques sont là en disant compte tenu du taux de renouvellement et de la maturation des espèces, c'est-à-dire bon, bah, il faut savoir que des poissons, ça peut vivre assez longtemps, certes, mais enfin, il faut une certaine durée pour qu'ils se reproduisent. Alors, compte tenu de l'augmentation de la taille des bateaux et du nombre des bateaux, et compte tenu de ce qu'ils prennent, n'est-ce pas, dans les eaux européennes, c'est pas très compliqué, on a à peu près, je dirais, les chiffres, 3,5 supérieur à ce qui est préconisé par les scientifiques. C'est-à-dire que ce qui est pêché en Europe, hein, vous imaginez, l'Europe, c'est quand même très structuré, il y a un commissaire européen à la pêche, etc. Eh bien, ce qui est prélevé chaque année par la flottille de pêche des pays européens est au moins 3,5 fois supérieur à ce que les scientifiques préconisent pour empêcher que cela se casse la figure. Donc là, on est vraiment dans un quelque chose de délirant, c'est-à-dire une accélération. C'est normal du fait qu'il y aura bientôt plus de poissons. Ben voilà, comme ça, on ne sera pas étonné. Pourquoi ? Ben voilà ce qui se passe en ce moment. Et là, c'est en Europe. Voilà. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends ? Ouais, ouais. Bon. Voilà, donc tout ça est normal. Alors continuons puis pour les nouvelles tout à fait, je dirais, locales ou qui nous concernent de près. Alors, je ne sais pas si mes camarades auditeurs en ont entendu parler. Je pense pas, parce que tout ça est... C'est normal. Glisse. Voilà, c'est normal. On a entendu parler de bien d'autres choses, etc. Je suis convaincu. Alors, faudrait, on fait jamais de sondage, mais si on devait faire un sondage sur la population lilloise, sur ce qui les a marqués depuis 10 jours, je pense qu'on tomberait sur les fêtes, les festivités. Enfin, chacun peut avoir son équation personnelle. Tandis que là, c'est plus subtil. Voilà. Alors, toujours en Europe, nous avons un commissaire européen, qui est allemand d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Oettinger, qui est à l'énergie. Et il a fait faire des travaux, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, le parc nucléaire français, qui, je tiens à le dire, représente à lui tout seul le tiers du parc européen, eh bien, selon ses travaux de la Commission européenne, ils ont envoyé des scientifiques, des experts sur place. Donc il y a eu des visites en France dans les centrales
de Tricastin, Quatenon, Chouze, etc., etc., eh bien, ils ont découvert qu'il y avait des procédures qui étaient jugées, je cite, insuffisantes dans certaines centrales françaises, par exemple Quatenon et Chouze. C'est-à-dire, par exemple, les équipements de secours, c'est important, les équipements de secours, comme les groupes électrogènes, ne sont pas assez protégés contre les éléments en cas de catastrophe naturelle en France, à la différence des réacteurs britanniques et allemands. Enfin, les centrales françaises manquent toujours d'instruments de mesure sismique. Voilà, ces lacunes ont déjà été signalées. Et il faudrait, selon cette étude d'un commissaire européen, il faudrait entre 10 milliards à 25 milliards d'euros pour permettre la sécurisation des centrales françaises aux normes. Alors, le gouvernement français a répondu que, les choses étaient évidemment gérées, c'est le moins que l'on puisse souhaiter. Et attendons de voir la suite de l'épisode. Je tiens à rappeler que l'Allemagne a pris la décision depuis Fukushima de fermer toutes ses centrales d'ici à 2020. N'est-ce pas? Et pour la France, le président François Hollande s'est engagé à réduire de 75 à 50% la part de l'atome dans la consommation française d'électricité. Voilà. C'était là les nouvelles au sujet de qu'est-ce qu'on peut dire de la sécurité des centrales françaises. Bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que selon une étude européenne, visiblement, entre ce qui nous est dit au niveau national et ce que l'Europe dévoile comme information, ce n'est pas tout à fait le même son de violon. Voilà, c'est normal aussi. Un son de violon. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends ? Voilà, c'était Toto l'écolo featuring Brigitte et Areski. Et c'est normal. On vous laisse en décider. Et maintenant, parce que avec le collectif Davids, comme vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre à la fois dans nos jingles et puis dans nos différentes émissions, complètement baba de Brigitte, eh bien encore un morceau de Brigitte Fontaine. Cette fois-ci, ça va être Duralex, Sedlex, de son avant-dernier album Prohibition. Après son papier, on peut pas parler d'un... d'alcool, on peut pas fumer presque nulle part, on peut pas parler, c'est tout juste si on peut respirer, peut-être bientôt ça sera prohibé. Interdit d'entrer, parler ou fumer, être sans papier, même s'allumer, parler c'est l'affaire de tout un chacun. Mes calmes nerfs, angoisse et chagrin. La propriété, c'est le vol. La sobriété, c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Mais James a levé un tac. Monsieur Nabokov, pour notre télé, buvez à Smirnov, déguisé en thé. La télévision bannit le plaisir, famille et ronron, cesse ou s'abstenir. La propriété c'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle, mais tu en sais de attaque. L'envers c'est l'État, le tyran. En république, la loi s'est tuée, tous les tiers états, fumée prohibée, et même en HP. La propriété c'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle, mais James a eu des attaques. Duralex, Sedlex, dans la pollution et toutes les ex pulsions, plantations. Très bientôt musique, amour, poésie seront interdits par tous ces maudits.
sobriété, c'est le vol. La sobriété, c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Mais garde, ça y est, des attaques. Je fais ce que je sens. Brigitte Fontaine, en concert le 21 octobre à 18h, dimanche 21 octobre, à Roubaix. Salle Ouattremé. Courez à la mairie de Roubaix, achetez vos places, passez pas par la FNAC parce qu'ils piquent quand même 2 euros sur une place qui en coûte 15, ça fait énorme en commission, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc allez à la mairie de Roubaix directement, c'est 15 euros la place pour le dimanche 21 à 18h, Brigitte Fontaine à Roubaix, et ça va partir vite, voilà. 9 rue de l'Hospice, salle Ouattremé à Roubaix, rendez-vous pour Brigitte. Voilà. Et alors moi, je voulais vous parler de art, liénation et d'émanciparcion. Voilà. Alors, sans doute, peut-être, et je ne vous le souhaite pas, ceci dit, avez-vous assisté à la grande parade, qu'on pourrait aussi appeler, pourquoi pas, la grande esquive, puisque ce sont des termes qui sont proches. La parade, ouais, et fantast-flic aussi. Fantast-flic, parce que, en effet, c'était... je me rappelle du début de la fête est finie, quand on voit arriver une armée de CRS, on sait comment réagir, il faut soit se barrer en courant, se réfugier ou bien éventuellement se fighter. Mais quand on voit arriver des grosses parades comme celle-là, on sait pas trop, mais en fait derrière ces grosses parades, les armées de CRS sont bien là, elles aussi. Habitant rue du Faubourg de Roubaix, nous on avait une dizaine de camions ou 10 camions faciles de CRS garés en début de la rue, et il y avait 4 ou 5 camions de gendarmerie sur le pont qui rejoint l'île Europe à l'île Flandre. Oui, mais on avait donné le scoop que Martine Aubry serait déguisée en gros poussin, il fallait bien la protéger. Tu crois que c'était elle qu'ils ont promenée en tête de parade au bout d'une grue ? Il y a eu ça, il faut pas le dire, c'est un secret, c'est un scoop, machin. Ouais. Et il y avait aussi Jean-Marc Hérault qui était là, hein, il a rien d'autre à foutre que d'aller faire ça le samedi après-midi. Voilà. Là, tu sais que à Nantes, ils font exactement la même chose, hein, depuis quelques années, des grands cycles comme ça, de grandes fêtes collectives, conviviales. De paillettes et de strass, n'est-ce pas ? Et donc Jean-Marc Hérault et Martine Aubry, dans leur manière de gérer leur ville, n'ont rien à s'envier l'un à l'autre, il n'y a aucun problème. Ouais, ils s'échangent les bons donc, plans. La République, on a Mulier, ils ont mains. Quelqu'un d'autre pour financer tout ça. La République est entre de bonnes mains, il n'y a pas de problème. Ah, et les 200 gars de sécurité d'ailleurs, sur leur blouse, il était marqué « Le Crédit Mutuel donne le là ». Voilà, sachez-le. Voilà. Et j'ai sélectionné quelques petits passages d'un bouquin de Hakim Bey, anarchiste américain, se définissant lui-même comme anarchiste ontologique, et qui, comme le collectif David, participait à une émission de radio sur une radio dont je n'ai plus le nom, mais c'est pas grave, elle n'existe plus de toute façon, vous ne pourrez pas l'écouter. Et donc ce sont ces chroniques s'appelaient des sermons radiophoniques. Voilà, et donc ces sermons, en tout cas quelques-uns, ont été traduits et publiés en français. Et je ne suis pas d'accord surtout avec Hakim Bey, après à vous de le découvrir, parce que je ne vais pas vous faire un résumé de l'ensemble de ses idées, qui sont nombreuses. Mais il n'empêche qu'il a un certain nombre de passages que j'ai trouvé plutôt percutants. Notamment celui-ci. Pour l'art, l'intervention du capital est toujours le signe d'un degré plus profond de médiation. Dire que l'art est une marchandise, c'est dire qu'une médiation, ou qu'un entre-deux, a eu lieu, et que cette entremise équivaut à une fissure, et cette fissure à une aliénation. Art comme aliénation, et il dit plus loin que finalement, le degré d'aliénation qu'on peut trouver dans l'art est proportionnel au degré d'investissement du capital dans cet art, et donc au degré de médiation par l'argent, en fait, tout simplement. Et notamment, ce passage également, avec la disparition d'un courant dominant et par conséquent d'une avant-garde dans les arts, on a remarqué que toutes les expériences artistiques les plus avancées et les plus intenses ont été presque instantanément récupérables par les médias et se sont vues ainsi transformées en ordures, comme toute autre ordure dans le monde fantomatique des biens de consommation.
Voilà ce qui, à mon sens, est entendu le plus souvent quand on parle d'art, quand on parle d'art en particulier dans des manifestations comme l'île 2004, l'île c'est fantastique, et j'ai presque envie de dire que, en tout cas en ce qui me concerne, ça m'a presque parfois dégoûté de l'art, et c'était une mauvaise réaction de ma part, parce que finalement c'était jeter le bébé avec l'eau du bain, et notamment tout le combat d'Akimbe dans ses sermons radiophoniques, c'était de redonner aussi et de réinventer et de penser l'art qui ne soit pas aliéné, qui ne soit pas aliénant, et qui nécessairement donc se tienne à distance du capital, se tienne à distance de toute institutionnalisation, de tout institutionnalisme, et même à la limite cet art soit produit, si on peut parler de production, dans des cercles proches de ce qu'il qualifie avec un poil de provocation des sociétés secrètes qui agiraient concrètement dans l'espace public, privilégiant l'immédiatisme, privilégiant la rencontre directe, non pas entre un public et des artistes, mais finalement entre des gens qui ont préparé une intervention et des gens qui sont invités à y prendre part, et dans une idée vraiment d'immédiateté, c'est-à-dire sans médiation par aucun moyen que ce soit, c'est-à-dire ni par des ondes hertziennes comme c'est l'instant, comme c'est le cas à l'instant, ni par quelque écran que ce soit. Et donc un autre passage que je voulais vous lire, qui à mon sens définit bien ce que il entend par immédiatisme, ce cher Akimbe. Il y a de fortes chances que votre groupe immédiatiste soit engagé dans quelque chose d'illégal, puisque pratiquement toute chose agréable est en fait illégale. Et là, je vous renvoie simplement à la chanson qu'on vient d'entendre de Brigitte Fontaine. Babylone déteste que quiconque profite véritablement de la vie, plutôt qu'il dépense simplement de l'argent dans une vaine tentative d'acheter l'illusion du plaisir. Le gaspillage, la gloutonnerie, la surconsommation boulimique ne sont pas seulement légaux, mais obligatoires. Si vous ne vous perdez pas dans le vide des marchandises, vous êtes manifestement louche et devez par définition être en train d'enfreindre une loi. Le vrai plaisir dans nos sociétés est plus dangereux que le braquage de banque. Au moins, les voleurs de banque partagent le respect de la masse pour l'argent de la masse. Mais vous, les pervers, vous méritez clairement de mourir sur le bûcher. Et là arrivent les paysans avec leurs torches, impatients d'exécuter la volonté de l'État sans même qu'on leur ait demandé. Maintenant, vous êtes les monstres et votre petit château gothique d'immédiatisme est dévoré par les flammes. Soudain, une ribambelle de flics sort des boiseries. Vos papiers sont-ils en règle? Avez-vous un permis d'exister? L'immédiatisme est un pique-nique, mais il n'est pas facile. L'immédiatisme est la voie la plus naturelle qui soit pour les hommes libres, et par conséquent l'abomination la plus anormale aux yeux du capitalisme. L'immédiatisme triomphera, mais seulement au prix de l'auto-organisation du pouvoir, de la clandestinité et de l'insurrection. L'immédiatisme est notre délice, l'immédiatisme est dangereux. Voilà, je voulais simplement citer ce passage, parce que... parmi ce qu'il considère comme étant de l'art, par exemple Akimbe, mais tout simplement le fait d'organiser des repas dans les rues sans aucune autorisation ni quoi que ce soit. Et il considère ça comme vraiment de l'art, bien plus que l'enregistrement d'un album par un groupe chez Universal Music ou n'importe quelle autre manifestation qui engrange et dans laquelle sont investis des millions ou des milliers d'euros, de dollars et de tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que un art qui soit au-delà ou en deçà de ce qu'on appelle l'art, c'est-à-dire la muséification, de quelle forme qu'elle prenne. La muséification, ça peut être... l'île 3000, c'est déjà de la muséification. La ville est transformée en musée à ciel ouvert dans lequel, on en parlait la semaine dernière, nous ne sommes plus censés qu'être des passants et non plus véritablement acteurs. Et encore, tous ces mots qui sont tellement récupérés deviennent simplement... énervant à employer parce qu'ils ont été tellement récupérés, mais quand on dit acteur, c'est vraiment pleinement participant, comme ça peut l'être dans simplement un repas où machin sort son accordéon et machine se met à chanter, et où peut-être comme à la Révolution française, souvent alors que les sociétés secrètes justement étaient interdites, eh bien de nombreuses insurrections ont été décidées dans des grands banquets qui a priori n'avaient d'objectif que de convivialité. Voilà, donc c'était un petit point que je voulais aborder par rapport à cet homme et par rapport à l'art comme aliénation ou émancipation. Moi, je voudrais juste avoir une ligne, si je puis dire, d'intuition esthétique très simple. De la même manière que Karl Lagerfeld, qui est, comme on le sait, un,
un monstre de pouvoir dans le monde de la mode, en France et en Europe, vient de faire un défilé très applaudi, etc., en mettant en avant des éoliennes. De la même manière que Damien Hirst, H-I-R-S-T, qui est un des artistes au monde, n'est-ce pas, les plus chers et talentueux, tout le monde se souvient ou tout le monde ne se souvient pas parce que tout le monde s'en fout, mais il avait fait une tête, n'est-ce pas, une tête de cadavre, de vache, incrustée de diamants. Ah, excuse-moi. Okay. Voilà. La vache, c'est autre chose, il avait laissé pourrir. Voilà, voilà. Et donc, je termine mon raisonnement. Donc, nous avons donc des créateurs mondialement connus, Karl Lagerfeld. Là, nous avons pour Lille le Castel Bajac, qui n'est pas n'importe qui et qui, me semble-t-il, n'est pas lillois non plus, qui a fait des mannequins tout à fait morbides et mortifères. Donc là, on arrive à un degré paroxystique pour l'art qui est très simple. C'est que, ou bien, c'est de la déco, puisqu'il faut quand même que les gens qui ont beaucoup d'argent mettent quelque chose au mur et se piquent d'art, parce que sinon, ils n'ont pas grand-chose à dire. C'est quand même très ennuyeux de parler de revenus, de dividendes, etc. Il faut bien, comment dirais-je, avoir ce que j'appellerais de la société, hein, du goût. Mais là, on arrive à une contradiction, c'est-à-dire que ce qui est en train de se montrer, de se démontrer sur la scène de la mode ou à Lille, c'est mortifère. C'est mortifère. C'est-à-dire qu'on arrive à une grille d'analyse d'un point de vue esthétique qui est la suivante. Ou bien les artistes très connus ou en pointe ne se gênent même pas pour montrer du cadavre, de la décomposition, c'est-à-dire c'est ce qui se passe, bah, achetez-le, nous sommes en décomposition. Et il n'y a pas, moi je pense qu'il n'y a absolument ni souffle, ni pédagogie, ni espérance. Voilà, c'est simplement mortifère, c'est des extraterrestres, c'est des monstres, c'est des gros machins, des gros bébés, des gros bonhommes, etc. Mais ça n'a rien d'humain, voilà. C'est en dehors de notre espèce, si je puis dire, en dehors de notre style, en dehors de notre forme. C'est entre la BD futuriste, mais quand même un peu tristounette, n'est-ce pas? Des couleurs qui n'ont rien de chatoyante, etc., etc. Et on a, si je puis dire, là, quelque chose qui est assez subtil, c'est que, comme on est en plein désengage, austérité, crise écologique, etc., etc., bien sûr, bien sûr. Et que, bien sûr, il faut non pas faire la fête, mais il faut en être conscient et continuer de vivre et d'être heureux. Il est clair que là, d'un seul coup, comme par hasard, les manifestations, si je puis dire, chic ou très publiques, avec beaucoup de fonds, ne peuvent même échapper à représenter, si je puis dire, de la décomposition du mortifère. Voilà. C'est pas vrai, il y avait aussi les soucoupes volantes. Oui, bah, c'est ce que... Non, 21 bon. Décembre, bientôt. Non, de la science-fiction. Oui, oui. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que... il ne s'agit pas de faire passer un message. Non, mais pour, et puis, enfin, la pauvreté du terme fantastique dans ce cas-là, je veux dire. Puis c'est pas de la science-fiction à la George Orwell, Le meilleur des mondes, c'est-à-dire ces magnifiques science-fiction anticipations qui finalement ne sont qu'une manière de parler de notre présent et de d'en dénoncer ce qui le renferme de plus terrifiant. Il y avait de ça aussi, hein, les caméras partout et puis les nouveaux habits de CRS, il y avait un peu de Orwell quand même dans les déguisements. Oui, mais ça, c'est ton regard. Après, je pense, si tu veux, c'est pas du tout mis en avant dans la manière dont c'est organisé, dont les choses sont présentées. Il est absolument pas question de porter un regard sur son présent. Il est absolument pas question de porter un regard critique sur la manière dont aujourd'hui s'organise la ville de Lille, dont la manière dont les projets urbains sont pensés et décidés, dont il y a absolument aucun retour critique sur la situation écologique de la planète. Tout ça, c'est vraiment... Ou alors, sinon, on va nous parler, en effet, de quelque chose qui est complètement à l'autre bout de la planète et pour lequel on est absolument pas responsable, et certainement pas Martine Aubry, et certainement pas toute son équipe, et certainement pas Auchan, certainement pas Carrefour, et tous ces gros subventionneurs. Il est surtout pas question de créer, éventuellement, de gêner. Si c'est de la gêne, faut que ce soit juste de la gêne petite bourgeoise, genre « Ouh !» qui provoque un petit sourire, et la petite bourgeoise qui pince les fesses. Je caricature, mais au final, c'est ça. C'est-à-dire que la provocation ne peut se faire que dans un cadre déjà prédélimité, que chacun a déjà intériorisé, qu'il n'est même pas la peine de rappeler. Et de toute façon, les artistes qui dérogeraient à ce cadre-là ne peuvent même pas avoir la possibilité de faire quoi que ce soit dans l'île 3000, à moins éventuellement de se la jouer à la trotskiste, j'ai envie de dire. Enfin voilà quoi. L'art officiel, c'est quoi? C'est très simple. Et il y a une enveloppe
avec des sommes et cette enveloppe ensuite est affectée soi-disant à la part esthétique. Cher Christophe, voilà. On reprendra ça la semaine prochaine. Midi 59 et quelques secondes passées maintenant. Nous allons bien entendu passer l'antenne à El Barrio Jazz. Vous restez ou pas sur le 106,6, les bonnes ondes de Radio Campus, et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, les points sur les i. .bar. Voilà. Et n'oubliez pas, le 21 octobre, 18h, ça doit être mais Brigitte Fontaine. Et le site de l'assaut du collectif www.davidscontregoliath, le tout au pluriel.com. À la semaine prochaine.